Salut les amis, bienvenue dans Toon Factory. On se retrouve aujourd'hui avec la dernière née de monsieur Michael Springer. Springer qui est un luthier français qu'on avait déjà présenté dans Toon Factory il y a quelques temps avec une guitare magnifique que je vous invite à redécouvrir ou découvrir si vous n'avez pas vu cette vidéo. On avait pris un plaisir monumental. Et là, bah, on a une grosse Telecaster aujourd'hui. Alors ça s'appelle la Neocaster chez Springer. C'est une guitare qui est très originale dans le sens où c'est pas que une Telecaster, c'est une guitare qui sait faire plein d'autres choses. Je dis grosse Telecaster parce que, on va y revenir, c'est une guitare qui a un espèce de mix entre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un petit peu de Gibson, un petit peu de Fender, un petit peu de tout ce qu'on aime dans ces guitares de légende, mais avec une façon de faire les guitares très personnelle, très propre à Springer, puisqu'on retrouve presque des sensations que j'avais eues sur une toute autre guitare chez lui, qui était une Les Paul, une Seraph. C'était vraiment un truc qui n'a rien à voir, et pourtant je retrouve un petit peu la patte de ce luthier fantastique. Alors avant d'attaquer cet essai un peu plus en profondeur, on va l'écouter cette guitare sur deux amplis aujourd'hui dans Toon Factory, sur notre Marshall 20 watts derrière moi, donc un ampli très très rock'n'roll que vous avez déjà entendu au début de cette vidéo, et puis après un Hampstead 20 watts, un Artiste 20, c'est un ampli beaucoup plus neutre, donc voilà pour ceux qui se posent la question, ça c'est un ampli très coloré qu'on va écouter tout de suite, et derrière, restez un petit peu dans la vidéo parce qu'on va écouter quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus droit pour entendre vraiment la guitare en profondeur. Thank you.
pour ce petit tour d'horizon sur le Marshall en mode blues rock. Alors on a mis une fuzz que j'aime beaucoup, qu'on a gardée un petit peu au studio pour se faire plaisir avec, la Octa Hive de Beatronix. C'est une fuzz assez fantastique, comme j'aime, on peut jouer beaucoup au volume de la guitare. Comme vous avez vu, c'est ce que j'ai fait sur ces micros. Alors ces micros, c'est des Sunbear, c'est des micros fabriqués en Angleterre, c'est des super pick-up, c'est une découverte pour moi, j'avais jamais essayé. Et franchement, je suis vraiment bluffé. Alors on a un mini humbucker en haut et un simple en bas, hein. C'est vraiment une config un petit peu qui se recharge sur les bords et autres. C'est un truc un petit peu hybride pour une télé, mais que j'aime beaucoup, et qui permet à la guitare finalement de pas tomber dans ce cliché Telecaster tout le temps. C'est-à-dire que là, je me suis permis à la fin de ce petit jeu de faire un petit coup de country rock, etc., parce que ça marche très bien sur ces guitares. Mais en fait, on peut faire plein de trucs, on peut faire vraiment du gras, on peut aller chercher du hard rock, on peut aller chercher du blues rock à la Gibbons si on veut, sans problème, grâce à ce micro là et du coup, en mélangeant les deux, on a encore une autre personnalité de la guitare. Donc finalement, en fait, je vous disais, c'est le meilleur des deux mondes, et aussi c'est une guitare, comme je vous le disais au début de la vidéo, qui a sa personnalité, et ça c'est vraiment important pour moi, et c'est pour ça aussi que je choisis de vous montrer des instruments comme ça dans Tone Factory. Alors j'ai choisi de maintenant de vous faire écouter cette Neocaster de Springer sur notre Hamstead. Je vous le disais tout à l'heure, un ampli un petit peu plus neutre, quoique il y a quand même un petit caractère, mais voilà, avec un son plus clair, avec une reverb, pour vraiment laisser parler un petit peu ces micros Sunbear. Je reviens là-dessus parce que c'est vraiment des micros, encore une fois, qui m'ont impressionné. Je vous ai pas donné le nom de ces micros si vous voulez les trouver un petit peu au niveau des références. Ça, c'est un Firebird et ça, c'est un 5-0. Donc Firebird, il reprend le mini humbucker de la Firebird, et le 5-0, c'est vraiment un micro typique de chevalet Telecaster. On écoute ça ensemble tout de suite. Donc c'est vraiment complet, il y a un super sustain, ça je l'ai découvert un petit peu avec vous aujourd'hui, parce que c'est vrai que le son comme ça, quand je l'ai joué, la guitare tout de suite, j'ai fait attention un petit peu aux détails et tout, puis plus j'essaye la guitare, et c'est le cas encore avec vous tout de suite aujourd'hui, bah plus je la découvre, et là franchement voilà, il y a tout ce qu'il faut où il faut, c'est hyper équilibré et hyper facile à jouer. Déjà s'il y a un truc à dire, c'est ça, ces micros là, ils aident vraiment à faire tout ce qu'on veut. On tape dans la guitare, dans les graves, il y a tout ce qu'il faut, ça bave pas, ça bave juste qu'il faut pour moi, c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit peu de grain, un petit peu de caractère, mais c'est vraiment très précis. On baisse la tonalité, on a encore tout ce qu'il faut où il faut. J'adore faire ça, le woman tone, le fameux, que je fais très souvent aussi avec mes guitares. Donc ça, c'est vraiment très facile. On a juste voilà, à baisser le bouton. En plus, c'est très bien placé, les boutons, pour faire les effets de volume. Par exemple, c'est vraiment parfait, quoi. Pile le poids qu'il faut sous les potards, enfin c'est vraiment nickel, voilà. Encore une fois chez Springer, hein, je me rappelle de la Seraph, parce qu'il y a beaucoup de, il y a la patte un petit peu du maître, hein, c'est vraiment la perfection. Alors maintenant on va écouter le micro chevalet de chez Sunbear, le 5-0. Donc ça s'exprime super bien, c'est aussi un micro très très efficace. Alors on sait où on est, hein, c'est vraiment typique d'une Telecaster, on peut faire plein de trucs. Mais il y a quand même plus de corps au niveau de la guitare, ça on y reviendra juste après. Au niveau de la lutherie, c'est une guitare qui sonne déjà un petit peu épais comme ça en acoustique.
avec beaucoup de graphes, beaucoup de résonance. Et du coup, bah, c'est vraiment aidé par ces micros qui, pour moi, font vraiment parfaitement l'affaire sur cette Neocaster. Alors, les deux en même temps, pour le plaisir. Cette Neocaster T, puisque c'est une Neocaster T, c'est pas une, juste une Neocaster, je vous ai dit ça tout à l'heure, je viens de voir sur le papier que c'est Neocaster T, le nom exact. Alors, je vous disais, un mélange en fait, un savant mélange entre une Telecaster, et puis un petit peu de Les Paul hein, quand même, au niveau de de l'épaisseur du corps. C'est une guitare qui résonne beaucoup, comme je vous l'ai montré juste avant. On a un manche vissé donc. On a un corps en sapin des Vosges, donc c'est un bois français sur cette guitare. Ici, on a aussi un manche en merisier. Qui est magnifique, qui est un petit peu épais, mais on s'y fait très très vite. Enfin, personnellement, moi, ça m'a jamais dérangé. Pour ceux qui ont un petit peu peur, il n'y a aucun problème, sachant qu'en plus, on a un effet que j'adore. Comme vous le voyez, cette guitare est reliquée, hein, comme on dit, elle est usée directement à la fabrication, pour qu'on croie qu'elle ait un petit peu d'âge. Comme ça, c'est toujours sympa, ça rajoute un petit peu de cachet à l'instrument. Et le manche est donc poncé ici. On n'a plus le vernis qui colle à la main, et du coup le fait qu'il soit épais, ça gêne pas du tout, au contraire on a vraiment un manche qui glisse sous la main. Personnellement, je me suis jamais trop attardé sur le confort des manches, je m'y fais assez vite, mais là c'est l'effet inverse, je me suis dit tout de suite c'est super facile à jouer, étonnamment pour un manche de cette taille. Donc on a une touche en palissandre, ça c'est du classique, et puis on a des mécaniques Cluson Deluxe qui sont très cool, qui ont une petite patine vintage comme ça qui correspond parfaitement au look de la guitare. Pour rester un petit peu sur la tête, sur le haut de la guitare, on a une tête qui reprend un petit peu les arêtes et les formes que Springer est un petit peu le seul à faire comme ça. Alors, on reprend des classiques, mais on les réinterprète, j'aime beaucoup, et on donne des formes arrondies et des arêtes, on mélange un petit peu deux styles, et du coup, on a le même effet sur la tête, donc ça équilibre encore un petit peu plus la guitare. Moi, je trouve que c'est vraiment très très réussi. Alors, pour terminer avec ce côté lutherie sur cette Springer Neocaster, on peut avoir évidemment ce qu'on veut, parce que Michael Springer est un luthier, donc ça c'est génial, on peut vraiment faire la config qu'on veut, par exemple au niveau des micros, sans problème. Et puis aussi au niveau des essences de bois, donc si vous voulez une autre essence que le sapin des Vosges, par exemple, pour le corps, il n'y a pas de problème, vous lui demandez le modèle restant la Neocaster, vous pouvez vraiment faire celle qui vous correspond et celle que vous voulez. J'étais super content de vous faire découvrir cette Neocaster T de chez Springer, la dernière née du maître Michael Springer. C'est vraiment quelqu'un d'hyper doué, donc je vous conseille d'aller essayer ses guitares si vous pouvez, de discuter avec lui si vous avez envie de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire vous faire plaisir avec ce genre d'instrument. C'est vraiment l'instrument d'une vie dans le sens où, comme je vous le disais, c'est le meilleur des deux mondes. On a vraiment une Telecaster qui est bien épaisse, bien pleine, avec laquelle on peut quasiment tout faire, en tout cas vraiment se faire plaisir. Moi j'ai trouvé que c'était
franchement hyper proche de la perfection. Si j'ai quelque chose à dire sur cet essai, c'est-à-dire que c'est tout bien, partout, tout passe, c'est vraiment facile. Mention spéciale au micro Sunbear, les micros fabriqués en Angleterre, super classe, ça va vraiment parfaitement avec la lutherie de Michael. Donc voilà, tous les liens vers cette guitare et vers Michael Springer sous cette vidéo, comme d'habitude. Quant à nous, on se retrouve dans le prochain épisode de Tone Factory. Ciao les amis. Yeah.